ça va être bien, c'est ça. Alors, les fonctions. Après, les instructions, les répétitions, voilà les fonctions. Donc on est parti du plus général. Dans un programme, on écrit des instructions. Et puis on a vu que quelquefois, ces instructions, elles se répètent. Donc on peut écrire des répétitions pour éviter d'écrire des longues listes d'instructions comme ça. Et puis, l'étape suivante, c'est les fonctions qui permettent de rassembler au sein d'un même élément des choses qui ont quelque chose, enfin des instructions qui ont quelque chose en commun. Et puis ça, c'est très important en programmation, puisque on va éviter d'avoir des lignes de code qui se suivent les unes les autres. Et puis on va essayer le plus possible de créer des éléments qu'on peut réutiliser après dans le code ou dans le programme. Donc là où vous en êtes pour le moment, vous ne pouvez pas encore faire des choses extraordinaires, mais il faut bien commencer à un moment ou à un autre. Et puis un exemple de fonction qui vous a été présenté, c'est la fonction pour dessiner un carré. Alors une fonction en Python, elle est définie comme ça, def, carré, on a des parenthèses et puis deux points à la fin. Donc dans ces parenthèses, vous avez vu, j'y reviendrai après, qu'on peut mettre un paramètre. D'accord. Et puis, cette fonction qu'on peut écrire, qui s'appelle carré, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dessiner un carré. Donc, je ne sais plus exactement, on peut faire en avance... 200, on tourne à droite de 90 degrés et puis on fait ça 4 fois. On peut l'écrire comme ça parce que j'ai commencé comme ça maintenant. Forward 100 et puis on va à droite de 90 et puis on doit le faire 4 fois, c'est un peu long. Ah, on peut utiliser la répétition. On efface tout. On recommence. Repeat. Four. Forward. 100. Right. 90. Voilà. Magnifique. Voilà une fonction qui va dessiner un carré. Vous ne me croyez pas ? Non, vous ne me croyez pas. Non, vous ne me croyez pas. Voilà, merci. Mais oui, je vais vous montrer. Alors, il y a des gens qui cliquent sur des boutons pour démarrer des applications, puis il y a des gens qui savent ce qu'ils font. Alors, def. Carré sans E. Tac. Alors j'ai dit quoi? On répète 4 fois. Un forward. Et un right. Right. Ouais, s'il y a plein de trucs à mettre à moi. From. Voilà. Et normalement, si j'exécute mon programme, il y a un carré. Oui, c'est parce que mon écran est déformé. Moi, je la connais, la déformation. Le facteur de déformation, c'est 1,21. Voilà, donc une magnifique fonction qui dessine un carré. Oui.
C'est les versions courtes, ça, c'est ça? Non, mais là, on sait plus ce que ça fait. C'est plus court. Vous savez, quelquefois, plus court, c'est pas mieux, hein? Pourquoi vous rigolez? Expliquez-moi. Alors, ça dessine toujours un carré. Voilà, moi j'aime bien. Vous verrez plus tard que ça donne du sens de. D'ailleurs, ceux qui font le thème avec moi, je vous ai déjà dit ça. Ça donne du sens de donner aux fonctions et aux variables des noms qui ont du sens. Voilà. Une répétition en français, c'est très très mal. Ça ne va pas être forcément très très long, mais voilà. Donc, forward, FD. C'est sûr que c'est un peu plus long à écrire, mais ça a le mérite d'être plus clair. Mais on peut. Voilà, c'est pas. Au final, ça fait la même chose. Mais c'est bien de l'avoir Alors, l'avantage d'écrire des fonctions, c'est que après, c'est des choses qu'on peut reprendre dans d'autres programmes. Des choses qu'on peut réutiliser après. Alors, je sais que là, le but principal de ce cours, ça va pas forcément être que de faire bouger des tortues. On va essayer de faire des choses un petit peu plus intéressantes. Donc, il faut commencer à prendre des bonnes habitudes maintenant, en se disant qu'après, ça pourra servir à quelque chose. Donc voilà une fonction que je peux mettre après dans un autre programme et que je peux utiliser pour faire des carrés. Et puis à partir de la fonction carré, on peut écrire une autre fonction qui fait, je sais pas, un beau dégradé de carré comme ça, etc., etc. Bon, alors elle est pas mal cette fonction, mais elle pourrait être mieux. On va aller voir ici un petit peu. Ces histoires de paramètres, c'est bien de dessiner un carré, mais là, mon carré, il a toujours la même taille, il a toujours la même couleur. C'est un peu ennuyant. Alors, on peut faire mieux. Je vais faire ça là. Donc, on peut définir ce qu'on appelle des paramètres. C'est que les fonctions, enfin, en l'occurrence, dans ce cas, c'est un petit peu comme en maths. On peut définir des paramètres qu'on va pouvoir utiliser à l'intérieur de la fonction, et puis ça nous permettra après d'utiliser cette fonction en lui donnant des valeurs différentes, et puis ça aura pour effet qu'elle dessinera des choses différentes. J'explique. Si je prends par exemple ici taille et couleur, on va faire juste la taille. Faut pas y aller trop vite. Et puis ici, que je remplace le 100 par ce paramètre taille que j'ai défini pour la fonction, eh bien, je peux après appeler la fonction en lui donnant une valeur comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, ça, c'est l'appel de la fonction, ça, c'est la définition de la fonction. On va faire les choses bien. On fait une nouvelle page. On copie ça. Donc, j'ai dit ça. Ça, c'est la définition de la fonction. Donc, on définit une fonction toute générale qui peut dessiner un carré. Mais là, il ne va encore rien se passer. Le code, quand on va l'exécuter, il va juste voir, ah tiens, voilà une fonction qui permet de dessiner un carré. C'est tout. Et puis là, on fait appel à cette fonction. Donc on l'exécute. C'est-à-dire, pour ceux qui font latin, id est. On l'exécute. Donc on lui fait faire quelque chose. On utilise la définition et puis on lui dit maintenant, utilise cette définition, exécute ça avec le paramètre taille égal à 150. Alors qu'est-ce qu'il va faire le programme? Bah, il va prendre ça. Et puis il va faire 4 fois forward avec comme taille 150 et puis right d'un angle de 90 degrés. Il va faire ça 4 fois. Donc, tac. Un peu plus grand maintenant. Et puis
on peut l'appeler plusieurs fois cette fonction. Faisons ça par exemple. Qu'est-ce que ça va faire? 4 carrés de plus en plus grand. C'est beau, hein? Moi, je trouve que c'est... Voilà. Et puis, on peut en rajouter d'autres, des paramètres. Par exemple, on peut changer la couleur. Et puis dire que ça, on veut que ce soit bleu. Non. Ça, on veut que ce soit rose. Ça, on veut que ce soit vert. Et puis ça, on veut... Je ne savais pas que ça existait, mais voilà une couleur. Ouais, moi je le vois, mais vous voyez autre chose. Donc voilà une manière d'ajouter des paramètres. Donc vous allez voir aujourd'hui la notion de variable. Alors un paramètre, vous verrez, c'est expliqué un peu dans le chapitre. C'est un peu comme une variable, mais pas tout à fait. Hein? Donc ça permet ici de définir quelque chose de tout général. Et puis, une fois qu'on l'exécute, on peut préciser un peu plus les choses. Donc voilà quelque chose de très très utile en programmation. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce qu'il y avait des choses passionnantes et intéressantes que je devrais vous expliquer encore? Il y avait des jolies fleurs à faire. Hein, donc j'ai tout simplement repris ça, je l'ai traduit en français. Et puis, voilà. Là, il y avait un autre programme à faire, c'était de définir n'importe quel pentagone. On avait ici, on peut faire le nombre de côtés. Et puis ici, donc si on fait le nombre de côtés, on va répéter autant de fois qu'il y a de côtés. Et puis l'angle dont on va tourner, c'est 360 divisé par le nombre de côtés. Il me semble. Mes quelques connaissances en mathématiques me disent que... Donc un carré, un truc à 5 côtés, un truc à 6 côtés, et un octogone. Bon, allez. Ah non! Voilà, puis on peut continuer comme ça. On peut choisir une couleur différente pour chaque côté aussi. Non, bon, je vais arrêter là. Donc, si vous n'avez pas de questions particulières, au programme d'aujourd'hui, on a les variables et les branchements conditionnels. Donc votre programme va prendre des décisions. Oui? Il y a une fonction qui permet de choisir des couleurs aléatoires. C'est pas la solution facile, c'est la... Bon, il faut le mettre, on peut le mettre ici par exemple. Je vais demander à chaque fois.
Il y a d'autres manières de faire. Il y a d'autres structures de données, des types de variables particuliers qui permettent après d'aller remplir comme un tableau.